toi. Bonjour. Prête la carte ou pas? Hein? Prête la carte. Je crois pas, des pièces. C'est pas des pièces. J'ai dit ça. On est trois. D'accord. Bonjour. J'ai cru que tu allais me sortir ta carte bleue. Non, non, non. Voilà, c'est bon. C'est bon? Allez, ouais, ça marche. Bienvenue à Octobre Rose. Il y a du monde. Allez, on va se foutre là. Allez, donc là on a bien démarré, le cordon commence à s'étirer comme il faut. Elle a une belle moto, la motarde là. Avec une belle sortie, triple sortie. Ça, ça me plairait bien ça comme moto pour quand j'aurai le permis A. Parce que j'ai passé la passerelle hier, ça y est. Donc date anniversaire 30 novembre et normalement 3 mois plus tard, 4 mois maximum, le permis arrive. Ah, ça y est, on les voit là où les motards. C'est la route, on tourne à droite. Oula, la Ninja, c'est quoi ça? C'est la Ninja 1000. C'est joli. Ah, ça fait du monde. Hein. Voilà, par contre, on n'est pas tout seul sur la route. Donc on se met en file indienne au cas où on croise une voiture en face. Toujours respecter les consignes de sécurité sur la route, hein, même quand on est nombreux comme ça, qu'il y a un gros rassemblement. Voilà, la route n'est pas à nous. Donc on peut croiser éventuellement des voitures. Donc toujours dans la sécurité. Et merci aux forces de l'ordre et à tous les organisateurs qui sécurisent le parcours. Sans eux, ce serait un beau bordel. On n'est pas là pour faire la course. On est là à l'honneur des femmes, pour les femmes, pour lutter contre le cancer du sein. C'est une belle cause, il faut la défendre. Et chaque année, les motards se réunissent. Ils répondent présents. Les motards gardois, même héroletés, je sais, il y en a de l'Hérault qui viennent. Du 84. Attention, ça freine. Oula. D'ailleurs, mettez-moi aussi en commentaire si dans votre région, vous avez aussi des événements tout à moto qui sont organisés. Donc allez, on arrive, on est à Clarensac. Coucou, voilà, les gens sont contents de nous voir, ça fait plaisir. Bonjour. Salut. Nous, on est là pour donner de la joie.
Allez, direction Caveirac. Ah, c'est vraiment cool ce parcours, bravo, parce que pour une fois ça ressemble à une vraie balade là. Là c'est le top. Je suis sûr que ça va motiver encore plus de motards à venir sur ce genre de rassemblement. Le fait qu'on prenne de belles routes et qu'on puisse... Bon, on roule tranquille à 70, mais au moins voilà, c'est bien, ça avance. Allez! On vient vous réveiller un peu. Et voilà, Clarensac, c'est fini. On va reprendre la route. Salut les gars! Un petit feu rouge. Merci pour tout. Ah, on va passer devant le salon de coiffure de la cousine. Si vous voulez vous faire couper les cheveux, allez chez ma cousine. Le salon ASC à Clarensac. Annie, hola. Voilà, il est là le salon. Masculin, féminin, ASC. Je la vois pas la cousinette. Donc ça y est, on arrive à Nîmes. Là on est au rond-point de l'avenue Kennedy. On va à Pissevin. On voit qu'il y a beaucoup de motards quand même aujourd'hui sur le parcours, ça fait plaisir. Petit Honda CB500F. Ça en fait des motos. Là en plus on prend les deux voies. On bouche l'avenue complet là. De toute façon là je pense qu'on va arriver dans pas longtemps au centre-ville. Ça va commencer à devenir compliqué. Donc là l'objectif c'est de rejoindre l'esplanade au niveau des arènes de Nîmes pour faire la traditionnelle photo de tout le groupe. Ça y est, on est arrivé à Nîmes. Oh là les Nîmois. Ah, elle est jolie celle-là. Yamaha. On remonte le Jean Jaurès. Eh oui. La chicane, oh, c'est un 400. Il a un 400, il fait un bruit du démon lui. Donc là on arrive au jardin de la Fontaine. Bah, c'était quand même beaucoup plus agréable tout à l'heure hein, sur les belles routes. Là on savait que ça allait être le bordard. Voilà la Ducati, la Javel. Devant nous avons la médiathèque de Nîmes et puis on arrive à la Maison Carrée après, juste après. On va bien la voir la Maison Carrée. La Maison Carrée qui vient d'être classée depuis le mois d'octobre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et oui, bravo, regardez comme c'est beau. Et là on va aux arènes faire la photo. Et voilà les arènes de Nîmes. Ah, ceux qui sont là-haut, ils ont avoir une belle vue là. J'espère qu'ils font des films. Ça crache. Salut les Nîmois. Bon allez, on va se garer, on fait la photo et après on part à la Calabière. Ah voilà, on est sur le parvis des arènes, toutes les motos sont là.
On doit être au moins 500, facile. Octobre Rose, ça réunit toujours beaucoup de monde. Devant le beau monument historique. Allez, maintenant, c'est l'heure de la photo. C'est bon, vous pouvez prendre la photo, on est là. Et voilà, tout le monde est là. Toutes les filles, toutes les femmes, allez, Octobre Rose. Faites du bruit. Bon voilà, on vient de terminer la photo, on reprend la route, direction la Calabière. Tout le monde s'équipe, on est prêt à repartir. On a eu les consignes de sécurité, on était en ville, de faire très attention. Ah, il y a un petit concours de bruit avant, toujours sympa ça. Ouais, allez, vas-y les motards. Mon ballon, il est cuit, moi. J'ai plus de ballon. Non, mais il est dégonflé. Ouais, mais il est cuit. Merci, monsieur. Vous allez vous salir les mains, ouais. Moi, j'ai réparé tout à l'heure. Merci. C'est 1000? Non. Non. Un 700. 700. Il est beau, hein? Merci. Allez, ça y est, c'est parti. Allez, maintenant, c'est l'heure de l'apéro. Elle a un cover super, là. En iridium, c'est magnifique. Petite Kawasaki Z650. Elle doit être de 2018 ou quelque chose comme ça, parce qu'elle n'a pas d'écran TFT. Là, ça y est, dernière ligne droite. Avant l'arrivée à la Sainte-Bière. Bah, en tout cas, un grand chapeau aux organisateurs, parce que ce parcours-là qu'on a fait, c'était vraiment très cool. C'est bien sympa un peu de sortir de la périphérie et d'aller balader sur des petites routes de campagne un peu. Bravo, à refaire. Ah, le casque de Vaille, il passe pas inaperçu. Hein. Je me demande quand elle va lever son casque si elle a la même coupe de cheveux. Ben voilà, la Calabière, c'est juste là, sur la gauche. Mais je pense pas qu'on tourne directement. Normalement, l'année dernière, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était parti faire le tour du rond-point. Parce que ça ferait. On couperait la route là. On est tellement nombreux que si on coupait la route à gauche, ça boucherait tout le périphérique là. Donc on fait le tour du rond-point. On fait le tour du rond-point. Non, on fait pas le tour du rond-point. Si, si, on fait le tour du rond-point. Si, on fait le tour du rond-point. Là. On fait le tour du rond-point. Ça, c'était le check de l'amitié, ça. Ouais. Je pense que la bière va leur faire du bien à eux. Et à moi aussi. Le cortège. Salut à tous. Allez, c'est l'heure de l'apéro, c'est par là les gars. On voit qu'il y a du monde. Même Pikachu a pu venir. Et il est sympa Pikachu, il dit bonjour à tout le monde.
séance photo. Octobre rose. Bon, et voilà la famille, on arrive sur une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo la famille. Allez, tchuss.